dur le matin au réveil. Des croûtes encore plein les yeux. Je suis arrivé hier dans la nuit, je me suis garé sur un spot. Alors je voyais pas grand chose, bah forcément parce qu'il faisait nuit. Mais ça fait plaisir de se lever le matin avec une vue comme ça. Franchement, c'est carrément stylé. Je suis actuellement à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Je vais jusqu'au parc naturel d'Ordesa. Et puis après, je vais remonter sur Saint-Sébastien et faire la côte nord de l'Espagne. Et je vous emmène avec moi. J'espère que vous allez kiffer. Et franchement, c'est un délire de rouler dans les montagnes. On va voir des belles cascades, va y avoir des beaux spots et tout. Donc franchement, ça risque d'être bien cool. Et j'espère aussi que j'aurai assez de batterie dans mes caméras. Hasta luego. Muy bien, c'est partito. Oui, tu finis tous tes mots par to ou par ta. Et puis c'est bon, tu parles espagnol. On fait ce qu'on peut pour prendre sa douche ici. Eh bien, Edito, tu las communautas à los parc des nationales d'Ordesa. Les Espagnols vont rire. Ja. Allez, c'est let's go, tu las cascadas. Et là, en général, quand c'est comme ça, il y a toujours quelqu'un un peu plus haut qui est en train de rigoler, qui est en train de faire pipi dans la source. Et puis moi, je fais, ah, qu'est-ce qu'elle est fraîche. Elle est bonne. Allez, c'est partido, tu las cascadas del parc national d'Ordesa. C'est gracias. C'est super dur à communiquer ici en Espagne quand tu parles espagnol comme une vache russe. Mais bon. Et j'avais des bonnes notes en espagnol à l'école. J'avais ! Mais ça remonte loin l'espagnol. En anglais ça va, je me débrouille bien. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui parle anglais ici. Par contre, quand ça parle d'euros, ça c'est 35, hein. Ça y comprend, hein. Dinero, hein. Euro, hein. Tout spagna, hein. Allez, let's go, c'est partido. Partidas. Que je vous explique en français une Francia cette fois-ci tôt, on est au parc national d'Ordesa en Espagne et normalement juste derrière moi, comme vous pouvez le voir, il y a une big cascade qui doit couler, sauf que effet réchauffement climatique, et ben c'est la sécheresse totale, nada, c'est tellement triste à voir ça. Mais bon, on en a vu un peu plus loin là, il y a des belles cascades en bas et on va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça, il y a un panneau, achetez vos jeux moins chers sur G2A avec le code Jolat. Putain, ils l'ont même traduit en espagnol. Achetezos, vos ruego, moncheros, sur G2A, zos, con su code Yolate. Yolate. Et en bas, il y a marqué Yolate, mente. Le lien est dans la description de la vidéo. Hola, mi amiga, c'est quedo en la habitación. Hoy salgo para Ordesa. ¿A qué hora máximo debe salir del lugar, por favor? ¿En qué habitación estás? ¿Qué habitación? Número de habitación. 35. Sí, me habla español un 35. Poquito. ¿Te vas hoy? ¿Cómo? Hoy sales. ¿Una ure? ¿Sí? ¿Sí? Oh, ok, entiende. Gracias, señor. Vale. Gracias. Bon, j'ai dérogé à la règle des véhicules aménagés. Cette nuit, j'ai dormi à l'hôtel dans un petit village de montagne. Je suis à, comment ça s'appelle, Burgueto. je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'était cool. Maintenant, faut que je range les affaires à la voiture. Gracias por la noche, señora. Dormimos bien. Cargamos el carro y nos vamos. Gracias de nuevo. Vale, muy bien. Bye. La clé. Ah, muy bien. Gracias. Hola. Hola. Hola, sir. ¿Es posible tener dos billetes de autobús para Ordesa? Sí. ¿Para dos? ¿De vuelta? Para dos personas, por favor. 10 euros. ¿Tiene una máscara para prestarnos, por favor? Una solamente. Dos. 40 centavos. Hola las comunitas et bienvenido tout parc national de Ordesa. Je suis encore au parc national d'Ordesa. Je vous explique, j'ai tout compris de travers. Moi j'arrive, bon français que je suis en Espagne. Déjà je parle espagnol comme une vache russe.
Voilà. Bon, ça va qu'il me reste quelques restes de l'école et puis j'avais plutôt des bonnes notes en espagnol. Hier, je vais voir la dame à la réception et je lui dis « Hello, señora, quelle est la distancia de la cascade de Ardesa ?» Il dit « Hola, no problemo, explicato. » Et ok, si, si, si. Et donc, elle me dit, dans un espagnol impeccable et moi comprenant dans un espagnol médiocre, « 5 kilómetros del parquitos de Ardesa, 13 kilómetros de la primera cascada et 5 kilómetros del último cascada. » J'ai tout mélangé. Mais alors, tout mélangé, j'ai rien compris. Voilà. Moi, la distance, ça me fait pas peur. Voilà, j'aime marcher et tout. Bon, bah, quand il y a un but et quand il y a des belles choses à voir, hein, comme ici. Hein. Et donc, j'ai tout mélangé, les mecs. J'ai compris 3 km du parking et 5 km jusqu'à la cascade. J'ai dit, c'est bon, ça fait 8 et 8, 16. Impeccable. Sauf qu'il n'y avait pas 16 km de marche. Mais il y avait 26 km de marche. J'ai mal calculé. J'ai très mal calculé. En fait, c'est juste que j'ai très mal compris, voilà, tout simplement. Et donc, ben, j'arrive là-bas, je commence à faire la marche et tout, machin, nana. Et j'avais déjà fait 10 km de marche. Et j'avais pas encore vu une seule cascade. Sauf que bon, je croise un loco un peu plus loin. J'ai dit, voilà, où est la prochaine cascade? Et il me dit, il y a encore 8 km. J'ai dit, 8, attends, 8, c'est quoi? C'est 8, 8. Eh ben oui, c'est 8. Ce qui faisait 26 km en tout. J'ai dit voilà, alors c'est pas les 26 km qui me faisaient peur, mais c'est plus l'heure à laquelle j'étais parti et l'heure à laquelle j'allais revenir. Voilà, j'allais très certainement, même sûr, revenir de nuit quoi. Donc j'ai dit bah c'est pas grave, je vais passer une journée de plus à Ordesa, et puis j'y retournerai le lendemain. Ce que je fais aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pris l'autobus, comme on dit, comment c'est dit en espagnol, l'autobus de Torla Ordesa, jusqu'à Ordesa. Ce qui m'a épargné 10 km. Et voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est super joli dans le coin. Là aujourd'hui, on va voir des cascades. On va voir des grandes cascades. Las grandes cascadas de Ordesa. Donc je suis toujours dans les Pyrénées Atlantiques, hein, sur les chaînes de montagnes espagnoles. Et franchement, c'est magnifique dans le coin. Et donc, comme vous l'avez compris, moi, je suis parti avec la gelotte mobile, hein, aménagée et tout. Bon, j'ai dérogé à la règle, j'ai dormi à l'hôtel cette nuit. Parce que c'est vrai que bon, je savais pas trop où me poser dans les montagnes et tout, c'est un petit peu compliqué. Voilà, bon, j'ai pas un van, hein, j'ai pas des chiottes, des douches aménagées et tout. Donc, moi, quand je m'installe quelque part, faut que je sorte la cabine de douche, tu vois, la table pour manger et tout. Et donc, je me suis fait un petit itinéraire pour ces prochains jours. Alors, déjà, bon, c'est le parc national d'Ordesa. Ensuite, je vais remonter du côté de Saint-Sébastien. Je vais longer la côte jusqu'à Bilbao. Parce qu'il y a un super monastère à voir et tout, apparemment c'est complètement ouf. Et puis je vais remonter après du côté de Saint-Jean-de-Luz. Et après je rentre direction l'île d'Oléron. Voilà, je rentre à la maison. Bon allez, je vous laisse parce qu'il y a encore de la marche. 8 et 8, 16 km aujourd'hui. Vamos. Super les cascades, top. Es una pequeño cascadas, mais plutôt joli. Hein. À mon avis, quand c'est les crues dans le coin, ça doit cracher au niveau des cascades. Parce que là, je vois celle qui coule en bas, mais en fait, c'est une grande cascade. Quoi. C'est juste que là, bah, il n'y a pas beaucoup d'eau.
joli en bas là. On va aller voir ça parce qu'en fait là j'ai pris un autre chemin pour rentrer au parking. Mais ouais, voilà, là, si vous avez l'occasion de venir dans le coin, j'espère que ça vous donne envie de visiter un petit peu le coin, mes vidéos. Mais c'est vraiment magnifique. Affaire. La bagnole est rincée. Rincée, rincée, rincée. Il y a le moteur qui s'est cassé. Regardez. Ça. Voilà. Voilà. Ça balotte. C'est cassé. Je ne peux plus passer les vitesses. Voilà. Je peux plus passer les vitesses avec la voiture. C'est mort. Je crois qu'elle a pas apprécié les montagnes d'Espagne. J'en rigole, mais bon, oh bah vaut mieux en rire qu'en pleurer, tu me diras. Mais bon. Bon après, je comptais acheter un véhicule là, dans pas longtemps. Je comptais pas l'acheter là aujourd'hui, mais bon, je vais devoir accélérer un peu le truc. Et du coup, je viens d'appeler mon assurance. Il est quelle heure? Il est 2h30 du matin. Enfin bref, voilà, c'est la merde. Vous l'aurez compris. Et donc là, en fait, j'attends le dépanneur qui va m'appeler. En espagnol, bien évidemment. Moi, je vais tout comprendre de travers, bien évidemment. Et como se dice en espagnol, la voiture cassée, coche, el coche no demaros, caput, cappuccino, el coche cappuccino. Voilà, là, je vais aller dormir à l'hôtel. Parce que bon, mon assurance, elle prend tout en charge. Hein. Elle prend la nuit d'hôtel, elle prend le rapatriement de mon véhicule, elle prend voilà, mes affaires en charge. Il y a un taxi qui me ramène jusqu'à chez moi. Que je vous montre un petit peu tout ça. Voilà la bagnole. Je suis carrément, comment dire, presque en plein milieu de la route. Je peux pas faire autrement. Je suis dans une rue perdue, je suis en pleine cambrousse. Et en fait, si vous voulez, j'étais parti pour aller chercher un endroit où dormir. Et je l'avais trouvé. Je l'avais trouvé. D'ailleurs, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Et puis ben, j'ai l'impression que la voiture elle s'est dit ouf, enfin arrivé, allez on va tout lâcher, tu vois. Et ben c'est ce qui s'est passé. Ça a fait des bruits là-dedans, mais le moteur il s'est pété en deux, je vous jure. J'ai jamais vu ça. Jamais j'ai vu ça. Déjà sur la route, je disais ouais c'est bizarre, la deuxième elle passe mal, tu vois. Mais ça faisait un moment, ça faisait déjà au moins 200 bornes que je disais ça. Je faisais bizarre, la deuxième elle passe mal. Et puis bon après c'est revenu et tout, tu vois. Des fois elle grippait un peu, je fais oh c'est... Peut-être pas grand chose, tu vois, peut-être besoin d'un peu d'huile dans la boîte ou quoi, c'est possible, tu vois. Et puis, bah, pff, arrivé là, mon gars, j'ai entendu un bruit, j'ai cru que le moteur, il était tombé par terre. Eh ben, je me suis presque pas trompé, hein. Le voyage se finit ici, malheureusement. Ouais, j'en rigole, mais bon. Et donc là, j'attends le dépanneur, qui devra arriver d'ici une heure, deux heures, peut-être. J'en éructe. Pardonnez-moi.